Ok. Nouvelle idée. Petit jeu. Allez, sérieux, ce soir c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit. Faut qu'on se fasse des souvenirs. Qu'est-ce que tu proposes? Pourquoi pas le plus grand jeu des petits secrets et mensonges, action ou vérité, mais à la Dylan. Ok, alors voilà mes règles. Quelqu'un vous demande action ou vérité, vous choisissez et puis vous faites. Et pas de si, de ou ou de mais. En fait, action ou vérité. Ouais. Donc genre, on peut demander d'embrasser. Si on choisit action, oui. Du moment que les deux sont d'accord, bien sûr. Ça marche. Enfin, vous emballez pas tant que c'est pas votre tour, mais... Bon, et par qui on commence? Eh ben, c'est la maison qui choisit, donc... Abigail. Action. Vérité. Tu veux pas prendre de risques, hein? D'accord, on y va. As-tu déjà couché avec quelqu'un? Hey, vas-y doucement, mec, tu vas trop loin. Attends, j'ai pas fini. As-tu déjà couché avec quelqu'un dans ce camp? Non. Désolée. Non. Ok, Abby, c'est à toi. D'accord, alors... Abby, sérieusement, choisis quelqu'un. Ok. Je sais pas. Ding, 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 trop tard, à moi. Ryan, action ou vérité? Action. Demande ce que tu veux. Ok, Ryan. Ton action comporte un choix. Elle peut faire ça? Je peux faire tout ce que je veux. Et je te demande d'embrasser au choix Kathleen ou Dylan. Waouh! Et donc... J'ai pas le droit d'embrasser les deux. Eh non, je fais pas les règles. En fait, si, tu fais les règles. Mais ok, c'est parti. Dylan, à nous. Quand on peut faire plaisir. Wouh! À mon tour, qui je vais choisir? Jacob et moi, on n'a pas encore joué. C'est vrai. Allez, Jacob, on va voir ce que t'as dans le ventre. Action, balance. D'accord. Mon action, ce sera de faire un saut au-dessus du feu de camp. À poil. Oh, mec! Mais grave! Ouais, je vais faire ce saut sans problème, ouais. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Non, Jacob, stop! Fais pas ça. Non. Non, je suis vraiment pas d'accord. Tu vas te faire super mal. Quoi? Mais non, ça craint rien. Ryan, sérieux. D'accord, on annule. Tu sais quoi? Je joue plus. Ok? Je vous laisse mon tour. Ok, ça marche. Je joue à ta place. Si tu veux.
Emma, action. Emma, tu vas embrasser... Jacob. Ou... Oh. Nick. Dans ce cas... Désolé, Nick, mais c'est même pas vraiment un choix. Forcément, je sais pas ce si c'est moi. Une bonne idée. Ce sera Nick. Emma, t'es sérieuse? Hey. Hey! Merci, Nick. Il est doué. T'aimes embrasser ma copine, connard? C'était juste un jeu. Et je suis la copine de personne. Ferme ta gueule avec ton « c'était juste un jeu », mes couilles, ouais! Jacob, grandis. Bon, j'imagine que je devrais le rattraper. Et toi, tu devrais rattraper Abby. Bon, quelqu'un veut faire une partie d'échecs? Quoi? Rebonsoir. Je suis, comme toujours, ravie de vous revoir. Alors, qu'avez-vous trouvé de nouveau? Vous n'avez pas de nouvelles cartes, mais vous êtes de retour, demandez-vous pourquoi. Je ne peux pas vous aider sans cartes. Vous devez les trouver. Vous devez me les rapporter. C'est dans votre intérêt. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Les secrets demeurent enfouis et la nuit s'assombrit. Je vous reverrai, n'en doutez pas. Méfiez-vous. Là où vont les loups, les corbeaux suivent. Débile, on est au collège ou quoi? Mais non, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Chacun embrasse qui il veut, c'est débile. Débile. Oh, génial, je suis où là?
C'est une caméra de chasse? Abby ? Recommence ! Je suis par là ! J'arrive ! Nick ! Salut. Oh. Salut. Tu... T'es parti ? Je crois que ce jeu est allé un peu trop loin pour moi. Je comprends ce que tu veux dire. Alors, ce qui s'est passé là-bas? Oh putain. Emma voulait vraiment rendre Jacob jaloux, hein. Tu crois? Clairement. Sinon, pourquoi elle m'aurait embrassé comme ça? C'est vrai. J'ai seulement joué le jeu. Ouais. C'est qu'un jeu, hein? Ouais. T'as entendu? On va voir.
Jouer à Action Vérité. C'est un jeu marrant. It's not too far. C'est tellement con. When you first began it, you got what you want. Now you can hardly stand it though, by now you know it's not going to stop. It's not going to stop until you wise up. No, it's not going to stop until you wise up. No, it's not going to stop. So give up. Il faut bosser ta technique. Bon, ben, on dirait que t'as réussi à me trouver. Bien sûr. C'était plus marrant de venir ici en douce quand on avait peur de se faire choper, hein. Ouais, t'as raison. Jacob, je croyais qu'on était d'accord. Ça, nous deux, c'était juste pour s'amuser pendant les vacances. Ouais, non, je sais. C'est juste que... C'est juste que t'adores te donner en spectacle. Oh, Jacob. Sérieux, quoi. J'arrive pas à croire que tu lui aies roulé une pelle. Oh. Et en plus, devant tout le monde. Putain de merde, Emma. T'as quel âge, 12 ans? Non, mais Nick, oui. Enfin... Tu sais que j'adore ce mec, mais je crois pas qu'il ait déjà vu une nana à poil. Je suis désolée de te dire ça, mais j'ai eu sa langue au fond de la gorge et je peux te dire qu'il sait comment s'en servir. T'adores ça me prendre pour un con, hein? Arrête de faire la gueule, s'il te plaît. La soirée était pas censée se passer comme ça. Quoi? Écoute, c'est pas grave. Non. Laisse tomber. Hé, hey, c'est à moi! Ouais, eh ben, qui trouve garde? Je le récupère demain. Ok. Tu peux rester là à bouder et à t'énerver en imaginant la langue de Nick dans ma bouche. Ah! S'il te plaît. Ou tu peux aller nous chercher des serviettes.
Pourquoi tu veux des serviettes ? Bah, on avait dit juste pendant l'été. Et devine quoi ? L'été n'est pas encore terminé. Ok. Chaquette et taquette. Ah, Chaquette doit être Monsieur H. Crie Saquette. Mais qui est Taquette ? C'est pas très vieux. C'était peut-être pas loin. Aucune ? Non, j'ai compté, il y en a zéro. Connard. Non mais sérieux. Jacob, reviens par ici, tu veux ? C'est quoi ces chiffres ? Ok, bon, on pourrait peut-être se laisser sécher. Ou alors se secouer comme des chiens. Wow, toi tu sais comment parler aux filles, pas vrai ? Ouais. Écoute, arrête de faire comme si c'était rien passé. Oh, mais si je peux, parce que... Regarde, à l'aide, au secours, je me noie et j'ai besoin d'un homme grand, fort et extrêmement sûr de lui pour venir me sauver.
Ouais, ben demande à Nick. Je suis sûr qu'il serait ravi de te sauver. Je t'écoute pas. Putain, t'es folle! Ah, ok. Ok, je vais te faire payer ça. Tiens. Arrête ça! Et arrête. Arrête de faire la gueule. À l'attaque! Con. Je veux pas que ça s'arrête. J'aimerais bien rester ici tout l'été, mais je crois qu'on aurait la peau toute fripée. Non, c'est ce que je veux dire. Je parle de nous. Jacob, j'ai passé un super été avec toi. Ça pourrait continuer après l'été. Jacob. Ok, écoute ça. Si j'arrive à faire un salto arrière, à partir de là, je pourrais venir te voir, ok? T'en dis quoi? Attends. Hé hey! Où tu vas? Reviens! Doigt d'allumeur. Oh, putain, quelle merde! Emma! Jacob, je suis là! T'as entendu? Quoi? J'ai entendu comme un cri. Et on aurait dit Abby, mais c'était pas du tout un cri de joie. Je t'entends pas! Écoute, bouge pas d'ici. Je vais aller voir ce qui se passe. Quoi? T'es sérieux? Sérieux, Kathleen, t'as foutu un sacré bordel, je dois dire. Ouh, peut-être que j'ai donné un coup de pouce à Abby. T'es un génie du mal. Qui va faire le premier pas, à ton avis? Nick ou Abby? Oh, bonne question. Je dirais aucun des deux. Je sais pas, Nick a une bête en lui. Si par bête, tu veux dire un fan tout mignon et timide? Te laisse pas avoir, pas. Son style de bourge bien sage. Il a des abdos en acier trempé sous son t-shirt. Alors, t'as remarqué aussi, hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue de jouer. Quoi? Rien que tous les trois? Ok, Dylan. Action ou... C'était pas Abby? Oh mon Dieu. Il faut qu'on l'aide. Ça venait d'où, ce bruit? Par là. Viens. Abby, à l'aide! Pitié! Nick! Aidez-le! Où est Nick? Va chercher Nick! Vite! Thank you.
Ok. Je m'en occupe. Faut que tu fasses gaffe, ce fusil a une dispersion de malade. Hey ! Lâchez-le tout de suite, putain ! Arrêtez ! Arrêtez ! Où je tire ? Il faut qu'on parte. Allez, viens. Viens. On va le faire. On retourne au lieu de camp. Il y a une meuf presque à poil qui m'attend là-bas. Qu'est-ce que je fous ? Ah, ok. Ok. Eh oh! Ah! Putain!
Allez. Pitié! Pitié, mon vieux! Faites-moi descendre! Me faites pas de mal! Oh, mais putain, merde, mais qu'est-ce que vous foutez? Je te conseille de fermer les yeux. Vous foutez quoi? Chut. Arrêtez. Chut. Au secours. C'est pas bon, je sais. Mais c'est pour ton bien. Maintenant où t'es passé, ma petite? C'est quoi ce bordel? Merde. Le temps est passé tellement vite depuis votre dernière visite. Bien. Alors, qu'avons-nous là? C'est l'étoile. Les étoiles brillent dans le ciel nocturne. Des balises lumineuses, des rêves d'espoir ou un rappel de votre insignifiance. La crainte du tourment, croyez-en la lumière des étoiles, car elles apportent la clarté et parfois une preuve. Souvenez-vous, la vérité dépasse toujours les apparences. Voulez-vous que je vous montre ? Non ? D'accord. Si c'est ce que vous voulez... Allez, partez. Retournez à Hackett's Quarry. Reprenez la route de Hackett's Quarry. Vous allez bien vous amuser. C'était horrible. C'était... Je sais même pas ce que c'était. C'était super rapide et il y avait un chasseur. Et c'était juste... Oh, Abby. Tiens. Quoi? Essaie de le dessiner. Dessiner quoi? Bah, la chose qui vous a attaqué. Nick. Hey, mon pote. Dis-nous ce qui s'est passé. Une bête a attaqué. Où est Abby? Il est dans le coltard, mec. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Ok. Il y avait un mec, mais... Il y avait un genre... Un genre d'animal. De quoi tu parles? Quel genre de... d'animal peut faire ça? Est-ce que j'ai... Abby? Elle va bien, mec, elle est juste là. De grandes griffes. Et des dents au-dessus de moi. Je crois que c'était un ours. Un ours l'aurait broyé, c'est impossible. Je croyais qu'il n'y avait pas d'ours par ici. Non! Oh merde! Regarde ça! Attends. Ce truc noir là, c'est infecté et ça se propage, ça craint de ouf, mec, ça craint! Désolé, pardon. Ah.
Ça va aller. Ça va aller. Ça fait mal, putain. Il faut qu'on l'ampute. On devrait couper avant que l'infection se propage. Quoi ? T'es vraiment un con. Hé, j'essaie juste de l'aider. Il a juste besoin d'un médecin. De vrais soins médicaux. Et d'un psy. Ouais, ça vaut mieux. Je me souviens pas très bien. Je suis même pas sûre de ce que j'ai vu. Je vais terminer. C'était sûrement rien. Ouais. Mais c'est encore là. Ouais, vas-y, tire-toi. Quel courage. Très bien. Alors, on pourrait peut-être retourner au chalet maintenant, non ? Tire pas! Je suis là pour vous sauver! Putain de merde. Nick. Il va bien? Nick et Abby ont été attaqués. Dans les bois. Est-ce que quelqu'un a des fringues sèches parce que je me les gèle sévère? Tous nos sacs sont encore dans le van. Et merde, évidemment. Jacob, elle est où, Emma ? Oh ! Merde ! Oh, bordel de merde ! Je l'ai laissée. J'ai laissé Emma sur l'île et je lui ai dit que je revenais tout de suite. Oh. Attends, sur l'île ? Oui, pourquoi ? Rien, c'est juste... J'ai cru voir quelqu'un là-bas tout à l'heure. Quelqu'un ? Non, enfin, écoute, je sais pas, j'ai dû me tromper. Je l'ai laissée là-bas toute seule. Je crois qu'on va retourner au chalet. Couvert de... ce que j'espère être du ketchup. Ah ouais, non, je crois que c'est du sang. Il y avait un mec et il avait une bouteille. Bon, on en parle plus tard, c'est une longue histoire. Ouais, non, je sais, c'est flippant. Faut que j'aille chercher Emma. Excuse-moi. Hé, hey, j'en ai besoin, ok ? C'est dangereux là-bas. Mec, il faut qu'on protège Nick et Abby. Ouais, et moi je dois sauver Emma. Elle est là-bas toute seule. Tu sais même pas si elle est en danger. Vous non plus, vous savez pas. Tu fais quoi là ? T'essaies de m'énerver ? Non, j'essaie de sauver la vie de ma copine, espèce de connard. Je crois pas que ce soit ta copine, mec. Quoi ? La merde là, les gars! Arrêtez de faire vos connards! Tous les deux! Jacob, c'est nous qui le gardons. Nick et Abby sont blessés. On doit les protéger. Il y a quelqu'un dans les bois. Ryan! Désolé. Vous me faites tous chier! Assure-toi qu'elle va bien. Si elle est sur l'île, elle est clairement pas en danger. Quoi? Hériter de retomber sur l'espèce de bûcheron consanguin? Non, merci. Il doit y avoir un autre bateau vers la Tyrolienne. De toute façon, je suis capable d'atteindre l'île d'ici. Faut qu'on retourne au chalet et qu'on trouve de l'aide. Comment on fait ? Nick peut même plus marcher. Hé, hey, j'ai une idée.
Ok, on verra ce que la nuit me réserve. Ok, vous voulez une devinette ? Qu'est-ce qui a 2 pouces et qui se retrouve toute seule sur une île flippante au beau milieu de la nuit ? Cette débile ! Enfin, 1 pouce. J'ai 1 seul pouce de libre. Et c'est ici, sur cette île étrange et inhabitée, que cette courageuse jeune fille s'est retrouvée. Pour tout vous dire, je suis actuellement sur une petite île bizarre, toute seule, sans rien à faire d'autre que vous la faire visiter. Alors, il y a une petite cabane dans ces arbres. Je vais aller voir si je peux pas vous faire un chouette, chouette panoramique de là-haut. Voilà le problème. J'ai pas envie d'y retourner, c'est clair. Mais même si je le voulais, je pourrais pas. Parce que dans ce cas, c'est moi qui passerai pour la nana qui s'accroche, alors que c'est lui qui s'est tiré à la base. Désolée de revenir là-dessus. Bon, changeons de sujet. Vous savez quoi ? On s'en fout. Allez, on y va. À la cabane, chers explorateurs. Bon, je vais pas vous faire un dessin. Vous savez tous où je suis. Je les ai jamais utilisées. Honnêtement, elles sont un peu trop roots pour moi. D'ailleurs, j'ai jamais vraiment réfléchi à où ça allait après. Oh. Oh, sérieux, non. Ok, on va passer à autre chose et oublier ça. Et ça, c'est l'abri de rassemblement. C'est un abri où on se rassemble. Ok, j'essaie vraiment de rendre ça intéressant, mais parfois, il n'y a rien à ajouter. Tout est dans le nom. Je crois que j'ai tout dit. Alors, cette île est une partie de la carrière pas exploitée qui est redevenue sauvage quand elle a été inondée pour faire le lac. C'est cool, non ? En fait, quand j'étais petite, je croyais que les îles flottaient au milieu de l'océan, qu'il n'y avait rien en dessous, comme un matelas gonflable. Mais j'ai grandi et j'ai fait des études et j'ai appris que les choses ne sont pas toujours ce qu'on croit. Comme par exemple, quand on veut s'amuser un peu pendant l'été et qu'on se retrouve à materner un gros bébé poilu. Qui déprime parce que tu veux pas être sa copine et lui écrire des lettres d'amour tous les jours. Et puisqu'on en parle, ça vous gêne pas qu'on en parle, pas vrai ? Pourquoi ce serait à moi de justifier ce que je ressens alors que c'est lui qui me dégueule ses sentiments au visage, sérieux ? Oh, regardez. Une métaphore dans la narration. Enfin, un embranchement. Fascinant. Voilà la grande question. Est-ce que je prends de la hauteur, littéralement, et que j'oublie tout ça ? Ou est-ce que je reste sur le même chemin en continuant de me plaindre de ma vie ? Bon, ben, vu qu'on n'est pas en direct, je vais devoir décider. Ok, je veux être au-dessus de tout ça. C'est parti. Bon, vous avez peut-être remarqué l'ambiance rustique de cette charmante passerelle, et c'est pas un hasard. Je sais pas comment sont vos passerelles, mais si vous passez pas une heure à enlever une écharde du doigt d'un morveux qui chiale, il y a tromperie sur la marchandise. Bien sûr, le gamin va bien, hein. Je suis une bonne monitrice. Et ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Thank you.
Et c'est là qu'on veut aller. C'est pas si moisi, hein? Enfin, si, elle est littéralement moisie. Mais cette vue, oh merde, vous allez pas en croire vos yeux. Il y a aussi une tyrolienne qui, bah, je suppose que vous pourrez me regarder me pisser dessus en l'utilisant. Au point où j'en suis. Je vais profiter de la vie jusqu'à en avoir les tripes qui sortent. Mais d'abord, on va par là. Et j'ai encore des tas de choses à vous dire. J'espère qu'Abby va bien. Elle s'est tirée tout à l'heure. Si vous avez pas vu, j'ai un peu roulé une pelle à Nick. Mais c'était un jeu. Je suis pas une salope quand même. Oh, et je précise, Abby aime Nick. Enfin, ils ont un faible l'un pour l'autre. En fait, je voulais juste attiser un peu la flamme. C'était épuisant de toujours les voir se tourner autour comme des méduses bourrées. La pauvre, elle était complètement pétrifiée. Mais ça va aller, ils sont pas cons. Ils comprendront. Je suis sûre qu'ils sont dans les bois en ce moment, en train de s'embrasser et de se flotter. Regardez, des clés de voiture. Les clés d'une voiture de flic ? Ça doit être une histoire du genre. Désolé, monsieur l'agent, je vois pas pourquoi vous m'avez arrêté. Je vais continuer la visite et laisser ça là. Et on y est. Bienvenue. Comme promis, c'est juste une cabane complètement moisie et particulièrement branlante. Dans un autre monde, peut-être que le jeune Jacob et moi, on se serait installés ici, fondé une famille. Chérie, je suis rentrée. Qu'est-ce que tu dis? J'ai oublié de coucher les enfants? Eh ben, charmante façon de m'accueillir. Profitez-en bien. C'est une expérience de colo authentique que je vous offre. Oh, regardez. On dirait bien que quelqu'un a oublié de faire le ménage. J'imagine qu'un des gamins a oublié ses affaires, ou peut-être un des moniteurs. Mais ça me dit rien du tout. Vous avez entendu? Je crois qu'on a une décision à prendre. Est-ce qu'on fouille dans les affaires de quelqu'un, ou est-ce qu'on ouvre la trappe qui fait peur et on meurt d'une mort horrible et douloureuse? Il n'y a clairement pas de bonne solution. Adieu, monde cruel. Le rideau va tomber sur ma vie. Il est trop tard pour le rappel. Doucement. Pas de soucis, il va bien. T'as pas trop mal? Non, désolé. J'ai super faim. On va te trouver quelque chose à manger, d'accord? Oui, d'accord. Allez. Oh putain, je boufferai un cheval. Bah, je sais pas si on pourra te trouver un cheval, mais... peut-être du muesli? Oh, Berk, je déteste le muesli.
C'est avec ça qu'on ouvre la porte de l'infirmerie, il doit y avoir tout ce qu'il faut. J'espère qu'on pourra au moins nettoyer ses blessures. Je vais te chercher à manger. Toi et moi, on va chercher un téléphone fixe. Oh, ouais, il y en a pas un dans le bureau de Monsieur H ? Si. On vous rejoindra. Ça marche ! Tu crois que ce qui les a attaqués dans les bois peut... Je sais pas, que ça peut suivre leur... leur odeur ? Quoi ? J'en sais rien, peut-être que ce truc a pris goût au sang et que maintenant il essaie de les traquer. Je crois pas, non. J'ai l'impression que si on reste avec eux, on sera en danger, tu crois pas ? Non, je pense vraiment pas que ce qui les a attaqués dans les bois va venir dans le chalet. Ok, ouais. Ouais, t'as sûrement raison. Allez, faut qu'on appelle les secours. Ça fait bizarre de voir cet endroit aussi vide. Tu veux dire que t'es jamais venu ici la nuit pendant la colo ? Quoi ? Non, toi aussi ? Une ou deux fois, ouais. Tu vas où, là ? J'ai cru que quelqu'un m'appelait. J'ai rien entendu. Je crois pas que les blessures de Nick soient si graves que ça. On n'est pas sûr de ça. Non, c'est vrai, Kathleen l'a dit. Tout ce que je dis, c'est qu'on n'est pas des professionnels, tu vois. On n'en sait rien, il a peut-être la rage ou un truc comme ça. Un optimiste, dis donc. J'essaie juste d'être réaliste. Faut qu'on demande de l'aide. Qui on peut appeler ? Monsieur H ? Je connais que le numéro de cette ligne. Ok, alors police secours. Police secours ? Qui appelle ça police secours ? J'en sais rien. Enfin bref, ouais. Mais comment on... Je demande quoi ? La police ? Une ambulance ? Les flics ? Ouais, carrément. En gros, ils vont dire quelle est la raison de votre appel, et je leur réponds « Au secours, mon ami a été attaqué par un ours, ou peut-être autre chose, mais c'est un animal avec des dents. » Et on ne sait pas combien il y en a en ce moment ou de quoi ils sont capables, donc il n'est pas impossible qu'ils soient en train de préparer une nouvelle attaque. Alors on aurait vraiment besoin de renforts. Ouais, ouais, un truc du style. Ok. Police de North Hill. Qu'est-ce qu'il y a ? Mort. C'est chelou, ça. La ligne est coupée. Parfois, ça arrive. Pile au moment où on essaie d'appeler les flics. C'est une coïncidence. T'as essayé, le truc pour accrocher ? Quoi ? Ça. Qu'est-ce que tu fous ? J'en sais rien, c'est ce qu'ils font dans les films quand la ligne est coupée. Ils appuient sur ce truc, là. On n'est pas dans un film. Ok, ben, alors, comment tu le sais ? C'est peut-être justement ce qu'ils veulent te faire croire. Bon, alors ce téléphone marche pas, personne ne capte, il y a un autre téléphone fixe quelque part dans le camp. Pas exactement, mais... Quoi ? Il y a du vieux matos dans le local radio. Là où tu fais les annonces ? Non, là où je diffusais mon super son de l'été, ouais, et où je faisais les annonces sur la sono. Bref, il y a des vieux appareils là-bas, je crois qu'on pourrait peut-être bricoler un truc et envoyer un message. Ok, bon.
On peut aller voir si on arrive à contacter quelqu'un. Repose ça, Dylan. J'irai le reposer quand on sera revenu et que les secours seront en route. D'accord, mais fais gaffe quand même. T'en fais pas. Ok. C'est sûrement un orage. Quel orage, Ryan ? Ben, peut-être que c'est les ours. Les ours. Je peux savoir pourquoi on accuse toujours les ours ? Et imaginons juste une minute. Si ces ours qui ont coupé la ligne de téléphone et aussi toutes les lignes électriques, et si ces ours nous attendaient dans le couloir en ce moment même. Pas faux. Merci. On devrait dire à Kathleen qu'on va au local radio. Ils doivent flipper. Ouais, ok, ouais. Allons-y. Bon, on devrait peut-être le laisser à Kathleen.